Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur Project Zomboid en compagnie d'une Talisha qui fête son année de let's play. Puisque le let's play a un an, elle le fête en attaquant le mall de Louisville. Et on va poursuivre un petit peu, mais je suppose qu'on s'apprêtait à rentrer. Je ne sais plus très bien. Oh, mes bouteilles sont vides. On va aller voir. On va aller voir ce qu'on peut prendre déjà. Qu'on soit pas venu là pour la première journée pour rien, mais on revient le lendemain. Et alors sur le chemin, on m'a parlé de l'usine de Bat, et effectivement, elle y est. Je l'ai vue sur la map. Donc on pourrait se tenter ça aussi. On va voir un peu comment c'était. On venait juste de faire l'entrée, hein, c'est tout. Faudrait un petit peu qu'elle se penche sur ses autres talents. Notamment la mécanique. Histoire de pouvoir réparer les bagnoles, d'avancer un petit peu. Attention. On voulait aussi le travail des métaux, ça y est, j'ai soif. Alors là, il y a un mall. Enfin un mall. Un supermarché quoi, normalement. Voilà, à la fin aussi. C'est un gigamart, voilà, je cherchais le nom. Et c'est ce qu'on voulait. C'est des cerises, ça? Ah ouais, il y a carrément des sacs de cerises au début, quoi. Excellent. Je vais m'embarquer ça. On va faire réserve de nourriture. Et puis on va faire réserve aussi de flotte, parce que là, les bouteilles sont vides. Et on sera très très bien. Ça va nous tenir l'hiver, ça, hein. Vu qu'on n'a pas de jardin. Le jardin, tout a dû pourrir de toute façon. Mais avec beaucoup de conserves, ça passe. Et en plus du gras. Pour les longues soirées d'hiver. Ah, c'est cool. Sac de fraises et tout. C'est dommage que je sois arrivé tard, mais j'aurais bien aimé voir ça, quoi, en fait. On se chope un sac rempli de fraises et tout. C'est carrément génial. J'avais déjà vu les sacs, mais pas pour les fraises ou pour les cerises, plutôt pour les pommes de terre jusque-là. Bon, ça doit être un vieux truc, je m'extasie devant un vieux truc. Là, je suis bien. Je vais encore reprendre ça en plus. On va bientôt aller se coucher. Hein. On va fumer. Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? D'accord. Pas grand-chose d'intéressant. Tout ça, c'est du pourri. Tu remplis toutes tes bouteilles. Et comme ça, on est re-bien. Jette un petit coup d'œil rapide. Vas-y, reprends-en, parce que je sens que ta bouteille a baissé. Il y a tout ça à faire. On va se faire première étape comme ça. On pose tout en vrac. On revient le lendemain pour finir. Il y a bel et bien une armurerie ici en plus. Puis on se fait l'usine de Bat au passage. Alors le petit gun c'était sympa, mais est-ce qu'on continue avec ça? C'est la question que je me pose parce que c'est long hein, quand même. Ça fait une belle tuerie, ça attire pas beaucoup. Mais c'est très long. Si on ressortait le pompe, par exemple, est-ce qu'on gagnerait pas du temps? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce petit délire? Une alarme de voiture, dis donc. Rouille. C'est bizarre, pourquoi ça se déclenche tout seul comme ça? J'ai rien touché. J'ai rien touché. Vas-y, grouille. Ah ouais, j'entends. Bizarre. Hein. Bizarre cette histoire. Bon, ça a pas l'air d'attirer. J'en profite. Est-ce qu'il va neiger? Parce que là, il se met à pleuvoir. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. Hein. Donc il est très possible que la neige s'en mêle. Ah, on est full. On est full sur ça. On passe à ça.
Et du calme. Voilà, ça attire quand même un peu. Hein. Oh, mais ça bug. J'entends que ça klaxonne tout proche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai comme qui dirait un bug, le bug anniversaire, il n'y en avait pas eu. Chelou, hein. Pousse-toi. Ah oui, c'est venu... Mais c'est venu de partout! Oula! Boîte à boisson chaude. Vas-y. Parce que peut-être tu vas être fatigué, c'est pas le moment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est chelou. Ça m'a mis, voilà, en difficulté. Un nouvel événement. L'alarme incongrue. On ne comprend pas. Et qui n'existait pas avant. Surtout, on a peur parce qu'on voit pas bien. Ah. On est essoufflé. Est-ce qu'il te restait des balles? Vas-y, hein, recharge. T'as pas beaucoup de balles. Sortie. Ouais, voilà. C'est ça. Pas de soucis pour ça. T'as des boîtes, hein, j'espère. T'as des boîtes. Ah, la galère! Mais non, mais... Ah, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce délire? Talisha en grand danger. Elle est essoufflée face à une horde gigantesque en pleine nuit. Je m'attendais pas du tout à redémarrer comme ça. J'ai pas compris là. Je suis trop proche en plus. Je peux tirer de plus loin avec. Je vais pas me priver. Vas-y, recharge. Folie furieuse. Ouais, on va y passer la nuit, hein, pour moi. Bon, ça va, on est plus fatigué. Je vais pouvoir rouvrir une autre boîte, hein. Ouais, hey, ce que je vois, c'est que j'ai ça. Je vais carrément pas me saouler. C'est tellement improbable, ce qui vient de se passer. Vas-y, prends-moi tout ça. Reprends ton gun. Et puis, remets de la lumière. On va tirer tout le monde. Et là-bas, hein, c'est la folie. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir. Ça devait être là, hein. On débarrasse le plancher pour le lendemain. Oh la vache, faites pas cramer ma bagnole. Bande d'enfoirés. Ça va être compliqué. Hop. J'ai pris un peu de hauteur, faut que je vois. L'anniversaire de Talisha, voilà. Elle a allumé ses bougies. Maintenant, il va falloir les souffler. C'est incompréhensible. Situation apocalyptique.
ça vise tellement bien de loin. Hein. Je dois le dire. C'est pas flagrant pour moi. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est ça. J'ai compris. Je vais avoir des petits bip à chaque fois parce que je sais pas pourquoi il y a un conflit de touche. T'as dit chier en perdition. Ça a l'air d'aller mieux. Ça devait être là. Ah, ça va pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous vous souvenez bien que la veille, en tout cas l'épisode précédent, il n'y avait plus personne, on est d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Elle est devenue incapable de toucher qui que ce soit. On lui a jeté un sort, elle a été maraboutée. J'ai l'impression que si elle touche, c'est juste que c'est dans la confusion générale. Je m'en doutais. On a déjà tout usé. Je vais user toutes les boîtes là. Là ici. Quelle surprise! On va voir si ça passe, hein. Après, faudra aller se coucher quand même. Ça se rapproche. Pour moi, ça se vide là quand même. Ouf! À deux nuits comme ça, on voit pas arriver sur les côtés, c'est chaud. L'important c'est que le môle ne crame pas. Primordial même. Ah! Et re! Re les gars! Bien joué, bienvenue! Allez, ramenez-vous parce que... d'en finir là. Il est 2h20 du mat, hein. Ça rampe. Tes balles. Tu peux carrément déjà ouvrir un autre. Ça va, ça devient plus sécurisé. Par le gars qui crame là, dont on espère qu'il ne bougera pas. Ah là c'était bien. Hein. Ah ça va, il est mort. Achevé par le feu, par les flammes. Ça c'est beau. Mais par contre, attention. Careful, Talisha. T'es mal là. T'as légèrement envie de vomir. Ça sent pas bon dans le coin. Voilà, on nettoie les derniers. Eh ben dis donc. Surprenant. Vraiment très très étonnant cette histoire. C'est tout.
Bon, on avait bien pris. Je me dis, je vais aller dormir. Et on revient le lendemain. Par contre, on utilisera peut-être un autre gun. Je vais refaire un molotov. Et puis on aura aussi à visiter, bien sûr, l'usine de Bat. Mais il faudrait avancer, vraiment. J'ai envie d'avancer sur les compétences du personnage. Là, il faut qu'elle aille faire un petit tour parce que ça va pas, quoi. On est obligé de rentrer. J'ai regardé, je vais passer plus proche. Ah, j'irais bien que c'est là. Ça, c'est l'usine de Bat, je pense. En tout cas, c'est dans ce coin-là. Ok. On va dormir. On videra le lendemain. On réattaque. Et je pense qu'on fait un molotov et on prend un pompe. On va vider ça rapido. On fait sortir sur le gros parking. Et ça devrait bien se passer selon moi. Après tout, c'est l'anniversaire. Ah non, ça se fête. Bon, déjà là, c'était pas mal. Il y a eu les premières bougies. Mais là, elle fait la grande fête le lendemain, quoi. Pour l'instant, on va se mettre comme ça. Et on est à 10,8 sur 15. 5h du mat, on se couche. Elle était pas fatiguée, mais normal, vu que... je lui avais fait prendre son petit thé. Est-ce que là-dedans, j'en avais d'autres? Ah ouais, t'en as d'autres de prêtes. Pas la peine de t'embarrasser, tu jettes. On prend le lendemain. Ouais, j'ai oublié, je prends le jour même. Voilà. Et dodo. Elle s'endort à l'aube. Ouais, finalement, elle dort peu, donc... Donc ça va très bien. Grossis-tu beaucoup? Tu ne grossis plus. À nouveau. Alors ça, quand même, elle avait les deux chevrons encore. Mais c'est reparti. Oula. Est-ce que c'est à notre porte? Je pense pas. C'est la grosse porte. Vigilance accrue. Ouais, c'est celle-là. Approche. Approche, mon ami. Voilà. On va profiter qu'on est à l'abri. Pas tout de suite quand même. On va tuer son pote. Et là, on peut fumer une clope. Bon, j'ai des vitamines aussi. J'en ai beaucoup. Ce qui veut dire qu'on est bien. J'ai des hachettes. J'ai une machette. La batte cloutée. Tout ça, c'est bon. Oh ouais, regardez. Ça y est, hein, bise légère. Il commence à faire froid. Ça commence à être le début de ce qu'on pourrait qualifier d'hiver. On va douiller. Il faudra aller chercher un poêle. On en avait trouvé un. Dans le grand hangar, j'irai le chercher. Mais pour le moment, je vais m'équiper. Mauvais côté de la porte. Ça là, on va le déchirer. Allez, après, faudrait arrêter un petit peu les tueries et se concentrer sur l'évolution de Talisha. Donc là, c'est vraiment pour la NIV. On tue beaucoup. Et puis après, on va s'occuper des voitures, de réparer ça, de prendre les œuvres d'art et on se prépare pour Blackwood parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai. J'en avais plus. Mince. Mince, mince, mince. Faudrait se trouver ça dans un bar. Il y avait un bar dans le coin, hein, je crois.
Je me demande si c'était pas par là, je vais y aller en bagnole. De toute façon, là-dedans, j'ai encore ce qu'il faut. Ah oui, on va vider. Voilà, j'ai posé beaucoup de choses. Je garde un petit peu de bouffe, j'ai les balles, c'est parfait. Le pompe qui est bien, il est en bon état. On prend. On va directement embarquer ça. Et des boîtes de cartouches. On va être trop chargé. Voilà. Donc je vais passer la batte cloutée ici pour l'instant. Ah, ça va pas encore. Ça va venir, ça va venir. Si je mets ça là, ça vient. Yep. Et donc bah je referme. Ouais, ça va être une sale journée. Hein. Et on est reparti. Puis on essaie de se choper les battes aussi. Hein. Tout est bien posé là devant, ça va, pas de souci. Le bar. Le bar, il faisait le coin, il me semble, c'est ça là. Ça va être dantesque aujourd'hui. Venez, venez. On est pressé, on se dépêche. On n'a pas que vous à tuer aujourd'hui. C'est bien un bar, hein. Oh, pas sûr. Il y a une cheminée. Ce n'est pas un bar. Erreur. Je me suis trompé d'endroit. Cool. Comme ça, on perd du temps un petit peu plus. Et on percute un Z à la sortie. Heureusement, elle n'est pas blessée. Il est dans l'autre sens, alors. Ah, c'est pas vrai. Je me dépêche, hein. Mais là, on va devoir tuer d'autres Z, j'imagine. Allez, vite. Le temps presse. Course contre la montre. Je crois que c'était ça. Je me souvenais que c'était à un angle. Ah, je vous l'avais dit. Je savais que ça allait venir. On se dépêche, hein. Eux, ils sont collés à ma voiture pour l'instant. Voilà, on les a éradiqués. Ça y est, ils arrivent. Ah, j'aime pas cet angle à chaque fois. Ça se confirme jour après jour. Près. Trop près, on one shot pas. C'est tout? Ah non, il y avait toi là. Ouf! La blessure bête. Voilà. Allez, faut activer. L'heure du molotov. Oh là, on va trouver. Bien sûr, faut faire tout le tour. À moins que... Yeah! J'ai pas besoin. Merci, le jeu. Molotov. On va faire deux, tiens. Et on est reparti. Est-ce que ça m'aide? Oui, ça va m'aider. Ça m'aide énormément. Cette fois, c'est la bonne. Midi. On a tout le chemin inverse à faire. Ce temps-là est terrible. Je verrais bien que ça se transforme en neige en plus. Imaginez ça, ça serait épique.
Nancy C. Oui, voilà, j'ai retrouvé, j'ai galéré. J'ai encore percuté un poteau, je les vois pas bien à chaque fois, ils se confondent dans le gris. C'est pas évident. Là, normalement, il y a les battes, je l'espère. Ici, on n'attire pas, seulement ceux qui arrivent. C'est juste pour jeter un coup d'œil. Je suis jamais allé dans ce bâtiment, c'est intéressant. Enfin, pour moi, il est spécial. Rien que le sigle. Hey ! Ah bah ouais, non mais on te voit pas quoi, sérieux ! Ça va être plus dur, elle boite. Ah mais j'y crois pas. Alors ça, c'est la blessure à la con. Attentat à des pansements. Je peux pas avec de... la merde là. Égratigné. Vas-y, désinfecte. Ah, j'ai peut-être mal vu, mais pour moi, il n'y était plus, hein, le Z. Il avait disparu, hop, effacé, puis hop, il est en train de ramper et de me blesser, quoi. Je peux pas garantir à 100%, je reverrai au montage, mais ça me paraît chelou, hein. Bah, du coup, vas-y, allons-y, douleur. Et on va voir ici, sa boîtille. Ah, ça a pas l'air d'être là, en plus. Il y a un gros doute. Oui, si, c'est là. Équipement de baseball, il y a des balles. Ah, c'est ça que vous vendez, sérieux? Est-ce que si j'ai la cloute, elle est toute neuve? À voir. On va les embarquer, on vérifiera. Mais là, ils arnaquent le client. Hein. Batte d'occasion. Ah, elles sont toutes abîmées, celles-là. C'est peut-être un hasard. Ça, c'est peut-être des battes dédicacées par des joueurs et tout, qui ont servi pendant des matchs. Celles-là sont bien, en plus. Je vais aller poser, hein. Attention, j'entends marcher. Méfiance. Vous allez voir que cette petite griffure va me faire mourir. J'ai un gros doute, hein. Ce truc improbable, là. Bonjour, monsieur. Que ce soit. On a tous super. Dépêche-toi. Tu es repéré. Faut poser. J'avais refait de la place, ça tombe bien. Elle boite en plus, la pauvre. Journée vraiment de merde. Je crois qu'il est temps de te retourner. Ça a l'air d'aller sinon. Ok. J'y retourne un petit peu, hein, quand même. Vu l'heure, je sais pas si je vais attaquer aujourd'hui. En même temps, elle a bien dormi, hein. La tristesse de cette blessure là qui l'a fait boiter. T'inquiète pas. Désinfecte toujours. Pansement. Elle a pas mal, hein, sinon. Elle grince pas des dents ni rien. Ça va. Pas de grimace. Elle boitille, c'est tout. Donc il est temps de découvrir un petit peu plus de ce magnifique bâtiment. Et notamment, ouvrir cette porte. Attention. Ça a pas l'air d'être ça, l'usine, hein. C'est plus par là. Cette partie-là, peut-être. Je l'espère. Je vais reprendre de l'eau après. Ah si, t'as mal, ça y est. Antidouleur.
Ça y est. Oh, puis là, il y avait des étagères et tout. Alors, voyons voir. Elles sont bien? Oh. Ah ouais, génial. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais. C'est génial. On a un gros stock. Je vais pas aller prendre maintenant, parce que on est déjà un petit peu en retard. Regardez tout ce qu'on a. Là, il y a des années de survie. Si elle a pas de problème avec sa petite coupure de rien du tout, ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. Mais ça m'inquiète parce que moi, souvent, j'ai pas de bol sur les blessures. 3%, ça change rien à l'affaire. Je crève. Ouais, vraiment, une grosse réserve d'armes. Allez, faut y aller. Allez, la boiteuse. Let's go. On va retrouver le véhicule. Et c'est parti. Écoute, tu vas passer par là. Et tu vas bouffer aussi, ça mettra toutes les chances de ton... Encore ? De ton côté. J'aime pas les blessures qui se salissent vite comme ça. C'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a un truc qui déconne. Le corps est pas préparé, il y a quelque chose qui se passe là. Tu peux l'ouvrir ? Non. Ce sera donc des chips. Le long déclin de Talisha est entamé. Ah, c'est fermé pourtant. Ok. Alors, let's go. Non, pas encore. On va te tuer avant. Faudra vraiment réparer ce véhicule qui a douillé un max. Allez. Bon, venez, quoi, mais dépêchez-vous. Je perds tellement de temps à cause des retardataires comme ça. Dis-moi tout. Blessure anecdotique, bandée. Il se passe plus trop rien. C'est reparti pour un tour, mais on viendra dépouiller ça. Là, c'est juste que je réserve un peu de place pour la suite, quand même. Bon, de toute façon, là, on va jusqu'au bout. Et ils sont chiants avec leur barrage, hein. Il est très bien placé. Très, très bien placé, gênant. Continue à conduire comme un pied, comme ça le truc il va imploser. Et on a mal et on est inquiet. Ça se précise. Inquiétude. Je sais que une simple petite égratignure comme ça de rien du tout, 3% de chance, bah c'est les 3% qui me suffisent. Je suis toujours quasiment mort comme ça, de toute manière, donc... Donc voilà. En plus, on pourra peut-être pas le savoir parce qu'on va se prendre de l'écœurement à cause des corps. Et puis là, on va galérer. Hein. Il va falloir carburer au cacheton. Ok. Tu as... Il faut... Tu as ton gun. Tu le recharges. Ça va commencer à faire un petit peu de place. Et puis on est parti. Le moment de vérité. Le petit moment de tension.
Alors normalement, c'est là-haut qu'il y a la zone qui m'intéresse. Sauf que je vais pas tirer des balles pour un mec. On va quand même faire un tas. Faut les faire venir. Ouais, c'est là qu'il y a le plus de monde. C'est ce qu'on m'avait dit. Et on va faire comme ça. Allez la boiteuse, c'est parti. Ah non, ça a failli me refaire la même. Deuxième jambe. Ah mais je pensais pas que ça se passerait comme ça cet anniversaire. C'est pathétique. Regardez-la avancer. Ah, aïe, ma jambe. C'est bien. Attire-les dans ton piège. Est-ce que ça monte? Ça monte pas en plus. Tant que ça vient pas de partout, pas la peine d'user de molotov. Oh, lui est tombé les bras en croix. Je pense que là, oui, voilà. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça arrive. Journée de grisaille. Yeah! Il y a un truc que j'ai pas vérifié là-dessus. Ça va, il n'y a pas l'étouffoir là. Il y a juste la bandoulière. J'aime pas l'étouffoir. C'est pourri. Elle y va en mode bourrin. Sous une pluie diluvienne. La douleur qui revient, c'est pas bon. Ça y est. Ça arrive de partout. C'est parti pour le gâteau d'anniversaire. On va pouvoir allumer les bougies. Hop. Allez, c'est bien. Elle a du mal à courir, hein, c'est la folie. Très bien fait. Je sais pas si on voit bien, hein. Parce que c'est très très gris. Voilà, on s'est fait un petit tas d'enflammés, comme ça, ça fait passer tout le monde dedans. Ou presque. La tempête qui se lève un peu plus. Ouais, ça va être la folie. Hein. Regardez ça, ce qui arrive! Enflammez-moi cette haie. Attention, te pique pas là-dedans. Passe, 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 accélère. Voilà, faudrait la cramer, s'il vous plaît. Petite obligation d'être en surplomb, malheureusement. Pour bien gérer le truc. Je sais pas si elle crame, la haie, en fait, me demande. C'est ce que je me disais. Parfait, merci. Est-ce que c'est immense? Ah, pas tant que ça. C'est pas l'anniversaire qu'on voulait, là. Il manque des invités. Allez quand même les gars. Ils sont super dispersés. Hein.
On descendons un petit peu. On a toujours le froid, ça réchauffe pas bizarrement. Ouais, parfait. Je vais vous nettoyer, moi. Bon, j'ai pas l'inquiétude qui est revenue. Je pense que si j'étais infecté, elle serait revenue plus vite. Donc c'était effectivement le besoin de clope. C'est la sensation que j'ai. Vraiment, l'inquiétude revient très très vite. Quand on est en train de mourir. Ouais, ça nettoie bien. Ça y est, t'as tout fait. Ouais, parfait. Allons-y pour la première boîte. Juste la douleur qui est là. Pas eu le temps. C'est beaucoup plus calme. Bon, y a rien de tel quand même que les petites hordes aux pompes avec un molotov. C'est vraiment le must. Ça fait beaucoup venir. Mais c'est cette espèce de désordre là qui est sympa. Et là, ça expédie. Hein. Bienvenue en enfer! T'auras bientôt plus mal, allez. Et par contre, il va commencer à faire sombre. On va devoir bientôt passer à la torche. Allez, allez! C'est ça. On entend le bruit des flammes. Ça te fait arriver à combien là? 19 200 et quelques. Et peut-être les 20 000 aujourd'hui. Ça serait fou. Je m'en fous de ta hachette, j'en ai plein. J'en veux pas. Donnez-moi les 20 000 aujourd'hui pour l'anniversaire. J'ai eu une blessure, je mérite bien ça. Fais un charnier. Tu crois que tu vas m'avoir avec ce vieux plan? Juste même des balles pour rien. Et là, on en a plus. Ok, c'est le moment de sortir. La petite lampe torche qui est là-dedans. Toc toc toc, elle est là. De passer à la hachette et de commencer à nettoyer ce qui reste. On va se soigner. Attention, on regarde bien parce que là on sait jamais. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout en eux. Eh, hey, tu tapes pas bien là! Putain, je savais! Je savais que ça arriverait comme ça, il y a toujours un traînard. Est-ce qu'on est bien? Je dirais que oui. On va vite fait désinfecter là. Désinfecte. Et pansement. Ouf. Donc ça c'est fait. Bon alors au départ c'était pas un gros charnier autour. Hein. Et puis petit à petit, ça prend forme. On commence à obtenir quelque chose de sympa.
L'intérieur, c'est pas la grosse boucherie non plus. On a déjà vu pire. Mais par contre, là, on a dû attirer pas mal et donc dégager l'endroit qui était intéressant. Donc, on va remonter. Au passage, on pourra bouffer. Genre, dans ces trucs-là. Enfin, quoique là, ça doit être des légumes et des fruits, même pas. La douleur est là. De nouveau. C'est long, hein, la douleur là, elle passe pas vite. Hein. Pardon, pardon. Allez, ça le fait. On est dans la zone de vérité. Ça paraît assez dégagé. Ouais, il y a beaucoup moins de Z. Ah, lui, il va se cacher. Embuscade. Ah, toi aussi, d'accord. La totale. Ouais, c'était pas une bonne idée, t'as raison. Oh! Eh ben dis donc. Alors c'est pas le fond. Il me semble que c'est à l'étage. Il me semble que c'est bel et bien à l'étage. Allez, je veux y aller aujourd'hui. Quitte à ce que ça dure un peu, c'est pas grave. On les couche. Faudra se poser peut-être. Après cette vague-là, on se pose. Et pas hésiter à rebouffer pour grossir. Il y en a un qui vient forcément. De toute façon, quand ils viennent, ils font du bruit. Hein. Ça nous indique qu'ils arrivent. Avant, c'était pas comme ça. Ils faisaient du bruit tout le temps. Oh oh! C'est un joli petit combat de nuit. Là, je peux me poser 2 secondes. Mais je sens que ça vient encore. Taillé. Le bruit grossit. On va dire péré, hein. Ah oui. Ah, je suis content, j'ai pas le truc barbouillé. J'ai pas le stress et tout. Je boite encore, mais... Ça aurait été moche, hein, quand même. Vas-y, vas-y. On t'entend. On va se faire une remontée là. Juste, j'ai envie d'avoir fait repos à fond pour pouvoir y aller. Et là, ça monte vite, donc ça veut dire qu'on n'était plus trop fatigué. Ah, bah dis donc, cette arnaque. Et ce qui serait beau hein, quand on y pense, ça serait d'être récompensé. Par un katana. Alors là, ça serait magnifique. Ah mais vous saoulez par contre. Dès que je crois que je vais pouvoir y aller, je peux pas quoi. Au moins apporte le katana. On les fait danser. Danse macabre.
Et non, t'échappes pas au truc. Vous périrez tous. Jusque dernier. Cool, merci, je vais prendre. Tout de suite. Maintenant je peux. Voilà. Ce combat nocturne infini, interminable. Regardez ça, ça revient. Ah, j'ai l'impression qu'elle ne boite plus. Oh, elle vient de tomber, elle. Elle venait du haut. Elle s'est jetée. Oui, t'as raison, faut rester vraiment vigilante. C'est comme ça que tu survivras. Petit stress, mais c'est pas grave. Ok. On est re-bien. Ouais, je disais c'est pas grave parce que de toute façon, là, ça a assez duré pour qu'on se dise c'est la clope. D'autre part, là, c'est ok. Ouais, que des bons signaux. J'avance. Je cours même pour les attirer un peu. Voilà, allez, j'aimerais en finir avec soit un katana, soit le magasin qu'on vise. Bon, c'est pas que je manque de balles, hein, j'en ai plein. Mais c'est pour la forme. C'est le cadeau d'anniversaire, il en faut bien quand même. Ouh, il y a du monde qui arrive là. Ça grogne en force. Eh oui, c'est l'hécatombe, les gars. Un petit vendeur, là. Attention, attention. Il y a quelqu'un encore. Un truc chelou. Il se passait un truc, mais je sais pas d'où. J'aime pas les poteaux comme ça. Ouf! Ah, c'est beau là, regardez. Petit endroit de sport. Mais non, tu t'ennuies pas, c'est pas possible, pas le jour de ton anniversaire. Je t'emmène au mall, tu pourras t'acheter ce que tu veux, mais t'es pas contente. Elle est tellement difficile. Bouge. Il aurait fallu manger, hein. Hop. Allez, un cul, là. Faut faire mieux, là. Faut faire mieux. C'est pas assez. C'est bien ce petit silence là avec la sonnerie de la montre. Ça le fait. Merci Coco. Ah, c'est marrant, c'est que leurs alarmes quand même sonnent toujours très très longtemps. Ah, suffit que je le dise pour que ça s'arrête. Je continue à me poser au milieu de cette marée de cadavres. Mais pas trop, puisque on est dérangé. Le truc, c'est que je veux m'assurer que je peux monter. Et que je vais pas tomber dans un piège, dans une horde qui m'attendrait là.
Ça a l'air de revenir encore. Ça va le faire, hein, ça va le faire. Ça continue de venir. Je les entends. Quelle intensité. Ah, c'est bon. On peut y aller. Let's go. À l'attaque. Ah mais vous êtes où? Faudrait savoir où vous êtes. D'accord. C'est ce que je dis, hein, c'est là-haut, je pense, le magasin. Il me semble que c'est à l'étage, mais si je monte et que je me retrouve nez à nez avec un groupe de Z qui m'attrape, ça va pas le faire. Et imaginez, on ressort, il a neigé. Ça serait terrible. Allez, trouvons ce magasin. Et on pourra s'arrêter, il est 1h40. Je pensais qu'en tirant dedans, ça aurait vidé. Et je me trompais. Ouh là là, on voit pas bien là. Attention, il y en a un autre. Ok. Ouais, donc il est pas là. Il est au-dessus. Il est bel et bien au-dessus. Là, je pense que ça déverse une nouvelle fois, mais après, je vais pouvoir monter. Oh. Ça arrive de nouveau d'un peu partout, bizarrement. Ça y est, encore une vague. On a cassé celle-là. On va changer. De l'eau, est-ce que j'en ai encore beaucoup? Ça va. Bon, ce qui est dommage là, c'est qu'on prend pas de points. En utilisant les hachettes, vu que je suis à fond. Il m'avait fait la totale. J'entends, mais je sais pas. Ah, c'est toi. Je te voyais pas. Alors, déjà. Ah, c'est sale. Ça donne. Ah ouais, on sera pas aux 20 000, hein. Désolé de te le dire, Talisha, mais... ça va foirer. Yeah! On est arrivé là. Eh, c'est pas une quincaillerie, ça? Oui! Pas derrière, s'il te plaît. On fait d'une pierre deux coups! Oh oh oh. Déjà, je regarde ce qu'il y a là-dedans. Cool. Il y a des hachettes. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une masse, parce que s'il y a des trucs à ouvrir, comme des vitres blindées, tout ça, ça pourrait être utile. Maintenant, il y en a hein, dans ces magasins-là. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux, ils les ont refait beaucoup mieux qu'à une époque où le stuff était devenu minable. Là, c'est bien équilibré. Voilà, il y a des planches aussi, mais... pas que ça, quoi. Ah ouais, je suis fatigué. Moche. Bon. Ah, je vais bientôt clore. Hein. Cet épisode anniversaire. Mais ça va, j'avais
des vitamines. 3h du mat, tu m'étonnes que t'es fatigué. Tu prends... Voilà, pas que ça. On prend en bloc. Là, ils avaient fait mur de planche pour dire c'est ici. C'est ici la quincaillerie. Ça, ça doit être peut-être... Je ne sais pas. Truc hi-fi, quoi, en gros. Téléphone et tout. Ouais, je préfère vérifier derrière. On n'est jamais trop prudent. C'est plus simple par le haut, hein, mine de rien. Attention, attention. Il y avait du monde dans ce magasin-là, un peu comme dans le vrai mall. Le magasin avec toutes les télés, il est full dans le vrai mall. Attention, pas deux fois le même. Ouais, on y est, allez. Plus que quelques mètres. Oh. Regardez ça, tout ce qu'il y a en bas. Il meurt. Elle est fatiguée, la pauvre. Elle a pas beaucoup donné. C'est derrière que ça m'inquiète. Ça va le faire là. Encore 3. Oh, il a sauté. Oula, ça en fait un de moins. Oh la vache, il m'en sort pas. Ça y est, ça vient. Au pire moment. Ouh, ça se déverse. Je vais essayer de canaliser ça et de me poser parce que là je vais douiller. Seulement, il y avait quelqu'un qui arrivait sur le côté. C'est l'enfer! Ce jour anniversaire est un jour infernal. Ah, c'était toi. Oh, faut que je me pose. Hein. Faut que je me pose, y a pas. Et ce banc, il est pas parfait. J'allais dire, il est parfait, mais. Comme ça, on fait. Allez, grouille! Ah non, mais vous êtes chiant là. Ah ouais, d'accord. They are billion. Elle reprend un peu de la force. Bon là ça va être long. Je vais me soigner longtemps. J'attends ce dernier dans qui m'ont parlé. Je vais me soigner là-dedans. Enfin me soigner. Me poser plutôt. Dans un coin et puis je reviens quand c'est prêt. Voilà. En fait il neige pas en dehors, il pleut, c'est tout. On va enlever ça, on va en profiter. Ah, toujours. Qu'est-ce que c'est long. Et on est reparti. J'aimerais bien là m'arrêter. De toute façon, je suis dans le dur. Je suis dans le dur là.
Donc faudrait s'arrêter. On va trouver un petit truc à bouffer au passage. Ah mais... Arrêtez de me barrer la route. Ah t'as bougé hein, c'est ce que je me disais. Voilà. Est-ce que c'est monté? Oui, je pense que c'est monté. C'est plus du tout la même physionomie. Ah, ils m'ont vraiment barré le passage au niveau du magasin où je voulais aller. Hein. Il n'y a pas... C'est là qu'ils se sont tous placés. Eh, ça va revenir la fatigue déjà. Normal, c'était très haut. Ok. Pousse-toi. Peut-être que celui a cassé les jambes. Même pas, hein. T'as rien fait. Quel charnier, là. Waouh. Ça va être le matin. On va y être, hein, on va y être. Ouais, il monte au fur et à mesure qu'on nous goûte par l'escalier. Ça se vide. Ça se vide de ses aides et... Et c'est pas là. Purée, c'est où? Pour moi, c'était là. C'est là en face, normalement. Bizarre. J'étais persuadé que c'était là. Hein. Allez, il y en a de moins en moins. La tristesse s'en mêle. Une petite pharmacie là, hein, je pense. Mais non, c'est un magasin de fringues, mais je comprends rien. Ah, c'est en dessous! C'est en dessous. J'ai plus de piles. Hein. Bon. Je vais tuer ceux-là. Je vais me mettre ici dans la pharmacie. Je pense qu'on a fait le plus gros. On a fait le plus dur. La prochaine fois, on peut looter. Le petit surplus militaire. On a pris de la bouffe. On va en reprendre un petit peu plus. Et surtout, il faudra se casser pour aller dormir parce qu'elle va être complètement exténuée. La vitamine, c'est pas bon. Hein. Donc, attention. Bah, en tout cas, c'était un joli petit anniversaire pour Talisha. C'est un an. Joyeux anniversaire, Talisha. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi depuis le début cette série. Merci pour tous vos coms. Et pour votre soutien, et puis on se dit à la prochaine pour la suite de ces aventures. Allez, salut !